Bonsoir à tous, bienvenue donc à la table ronde dédiée donc à l'animal, le sujet de culture générale 2021 des classes préparatoires. Donc je suis très heureuse en fait de pouvoir animer cette table ronde ce soir. Et à mes côtés, donc je vous présente donc Véronique Bonnet. Donc, qui est professeur, donc qui est en duplex actuellement de Paris, qui est professeur de philosophie à Janson de Sailly, qui est également vice-présidente de l'APHEC, l'association des professeurs de classe préparatoire, donc pour tout ce qui est responsable de tout ce qui est en fait philosophie et culture générale. Alors Véronique publie chaque année en fait plusieurs ouvrages et également des articles, hein, ça depuis 2010. Et donc cette année, elle nous a présenté donc plusieurs ouvrages, notamment donc l'animal en 25 dissertations, donc aux éditions Studirama Grandes Écoles, donc vraiment un ouvrage très intéressant pour vous élèves de classe préparatoire pour vous préparer donc à votre dissertation en culture générale. Vous avez également écrit donc Véronique un ouvrage concernant le monde de l'animal, donc aux collections donc texte du sujet, et on a un article donc qui va à venir donc dans Espace Prépa, donc qui est intitulé Fabuleux animal. Voilà, donc merci Véronique d'être parmi nous donc en duplex de Paris. Je vais vous présenter également donc une autre invitée, Rachel Beaujolin. Donc Rachel, bonsoir, merci d'être avec nous donc pour cette table ronde. Alors Rachel est professeure de management à Neoma, donc déjà depuis pas mal de temps, 2002, donc au sein du département Hommes et Organisations. Donc elle a d'ailleurs dirigé pendant plusieurs années, donc elle est docteur en sciences de gestion, elle est également titulaire d'une habilitation à diriger des recherches. Donc elle a exercé différentes fonctions de management au sein de Neoma, notamment directrice du campus de Reims, férue de recherche, donc elle a travaillé depuis des années sur le fonctionnement donc des entreprises, leur organisation, leur transformation, les relations sociales, également donc toutes les mutations du travail et de l'emploi. Alors, ce soir, elle est parmi nous parce qu'elle a récemment publié plusieurs articles sur l'animal et tout ce qui est, en fait, les relations interespèces dans les organisations. Donc, un sujet très intéressant aussi. Donc, j'ai également Gérard Lemarié, qui est bien connu donc, dans la sphère rémoise et à Neoma Business School, puisque pendant des années, tu nous as fait donc, le cycle passerelle. Donc, Gérard a été pendant de longues années, excusez-moi, donc professeur de philosophie, notamment en classe préparatoire. Il est l'initiateur de grands cycles de conférences. Donc, il en a fait, comme je le disais précédemment, donc passerelle à Neoma. La quatrième de couverture à Troyes, des rendez-vous à Genève. Il est également l'auteur d'une quinzaine de livres, donc notamment des monographies hein, du sculpteur Mauro Corda, que vous connaissez sûrement, du peintre Speedy Graffito. Tu organises également de nombreuses, donc des grandes expositions d'art contemporain, donc notamment celle de Robert Comba et donc Richard Serra au Palais du Thau à Reims. Il est également à l'origine des cycles de rencontres sociales, donc qui se tiennent désormais en France et à l'étranger, donc dans des grands centres commerciaux. Donc voilà, je vous remercie d'être là. Nous avons également ce soir la chance d'avoir des représentants des classes préparatoires, des étudiants qui ont accepté en fait d'être parmi nous pour cette table ronde sur l'animal. Ils ont plein de choses à nous dire, également plein de questions à poser. Donc je salue les étudiants du lycée Roosevelt de Reims, donc de la classe préparatoire. Donc bonsoir à tous. J'espère que tout va bien pour vous. J'ai également donc des représentants des classes préparatoires du lycée Clémenceau aussi qui sont parmi nous ce soir. Donc bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors nous allons commencer donc cette conférence sur l'animal par une introduction qui va être faite par Gérard Lemarié et qui va vous donner plein de choses, plein de références, etc. pour vous aider donc à bien réaliser votre travail que vous allez à faire lors des concours. Gérard, à toi. Alors bonsoir. Je suis ravi d'être là et je ne vais pas donner de tuyaux pour la dissertation. Non. Véronique Bonnet le fera très vraisemblablement mieux que moi. Moi, ce que je voulais simplement, c'est poser la question de l'animal. De l'animal et peut-être aussi de l'animalité. Alors, il faut savoir que
si nous, on se pose cette question cet après-midi, si on vous la pose et si on se la pose à soi-même, c'est que nous faisons, on va dire, là, de la philosophie, et on sait que les animaux, eux, n'en font pas entre eux et qu'ils ne seraient pas capables de faire ce que nous allons, j'espère, essayer de faire ce soir. La deuxième chose, c'est que il est à peu près assuré maintenant que les animaux pensent. Et la question, pour moi, essentielle, c'est que l'animal, s'il pense, et je crois qu'il pense, ne pense pas de toute manière, de la même manière que nous. Et ce à quoi il pense n'est pas forcément ce à quoi je pense. Même si il est également à peu près certain qu'il peut penser parfois la même chose, mais il y a des choses dont on sait qu'il ne les pensera pas. La troisième chose que je voulais dire, presque avant qu'on démarre cette table ronde, qui, je l'espère, sera fameuse, parce que les invités sont de qualité, c'est qu'il faut toujours revenir à l'étymologie du mot « animal ». Animal, il faut savoir que cela vient de « anima ». Dans « anima », tout le monde a compris qu'il y a « animé », de l'animation, mais « anima », ça signifie d'abord et avant tout « l'âme », très curieusement. Donc on pourra se poser la question de savoir si l'animal a une âme. On ne le fera pas, parce que ce sera un peu long. « Anima » signifie également « souffle ». C'est-à-dire qu'il est, cet animal, mu par quelque chose, il est, comme on dit, en mouvement. Il est un être vivant qui bouge, parce que, évidemment, il est animé. Il se déplace, il va d'un point à un autre point. Il est également capable de sentir, il est également capable de ressentir, il est capable, chacun le sait, de voir et d'entendre. Alors, la question, moi, je la pose dès le départ et j'espère qu'on va tourner autour de cela et autour d'autre chose. C'est que si on est d'accord pour dire que l'animal pense, et je pense qu'on le dit maintenant avec assurance, on peut donc dire que l'homme est un animal et qu'il est comme, je dirais, l'animal, une chose pensante. Ça, on le sait depuis Descartes, res, chose cogitante, pensante. Les naturalistes, c'est-à-dire ceux qui mettent en avant la nature, prétendent, je dis bien prétendent, et on est également à peu près assuré de cela, qu'il y a trois règnes. Il y aurait, disent-ils, le règne végétal qui viendrait après le règne minéral, puis viendrait le règne animal. Donc on aurait d'abord le règne minéral, puis le règne végétal, puis le règne animal. Je vous ai dit que comme l'homme est un animal, on va dire que l'homme entre dans le règne animal. La question, pour moi, essentielle, et à laquelle j'espère un jour on répondra, c'est est-ce qu'il y a dans cette progression, c'est-à-dire entre le monde minéral qui demeure, les cailloux sont encore présents, le monde végétal qui demeure, les fleurs, les plantes sont encore présentes, et ce qu'on nomme l'homme, le monde animal, pardon, est-ce qu'il y a un lien? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a, dans cette progression, ça c'est Teilhard de Chardin qui en parle merveilleusement bien, est-ce qu'il y a quelque chose qui fait que? Moi, ma réponse, évidemment, elle est oui. Et elle est oui, cela veut dire que ce qu'il n'y a pas dans le monde minéral, on va l'obtenir dans le monde animal. Mais pour que vous l'obteniez dans le monde animal, il faut qu'il soit d'une manière, on va dire, embryonnaire dans le monde minéral. Donc il y aurait une sorte de progression, sans aller trop loin en philosophie, que Hegel nomme une dématérialisation, donc, ou une déminéralisation, si vous voulez, c'est-à-dire qu'on serait de moins en moins minéraux et de plus en plus spirituels. Donc soit on dit c'est une dématérialisation ascendante, si vous voulez, progressive, soit on parle d'une spiritualisation. Mais ça voudrait dire alors que chez l'animal, le chien, le chat, pivert, ce que vous voulez, il y aurait déjà cette spiritualité, on va dire, ou cet esprit.
cet esprit qui serait déjà, d'une manière très, 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 très embryonnaire, dans le monde minéral et un petit peu moins embryonnaire dans le monde végétal. Donc, si je reviens aux naturalistes, les naturalistes disent qu'il y a ces trois mondes et ils sont dans l'obligation de dire, moi ça me gêne un peu, que le troisième monde, c'est-à-dire le monde dans lequel nous sommes, nous, on va dire homo sapiens, c'est-à-dire que nous nous détachons de l'animal, ils sont obligés de dire que ce monde animal est comme un aboutissement naturel. Est-ce que cet aboutissement est programmé ? On ne sait pas. Est-ce qu'il ne l'est pas ? On ne sait pas non plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on a cette impression, j'ai cette impression, qu'on va vers quelque chose de plus élevé. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'animal est plus haut que le végétal, comme je pense que le végétal est un petit peu plus haut, on va dire, que le minéral. La théorie de Descartes au 17e, 1596, 50, prétendait, c'est la théorie que les étudiants connaissent, des animaux-machines, elle prétendait que les animaux n'étaient que de purs mécanismes qui ne pensaient rien et qui ne pensaient pas. Et cette théorie a été très vite rejetée par rapport à ce que je vous ai dit précédemment, même si on voit bien qu'il y a évidemment des différences entre le mécanisme dont je me sers pour penser cet après-midi et le mécanisme dont se servent les animaux, pour penser. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On a un mécanisme qui est à peu près logé au même endroit, on le situe dans le cerveau, et on dit également que ce mécanisme varie entre, on va dire, un singe bonobo qui, paraît-il, est le plus proche de moi, et moi. Mais la pensée, elle est présente et on ne peut donc pas la nier. J'espère que l'on verra ça tout à l'heure avec Véronique Bonnet et j'espère qu'on le verra aussi avec Rachel, c'est que si l'animal s'est humanisé, et on est dans l'obligation de dire que l'animal s'est humanisé, est-ce qu'on peut penser, je crois que Véronique en a parlé quelque part, que l'homme va s'animaliser, c'est-à-dire en fait qu'à un moment donné, est-ce qu'on ne pourrait pas penser que l'animal, après être devenu plus humain, cet animal s'efface et c'est l'homme qui redevient d'une certaine manière animal. Ça voudrait dire qu'en redevenant animal, mais ça Véronique, je pense, en parlera mieux que moi, va se déshumaniser, l'homme en tout cas, si vous avez compris. Donc est-ce que l'on pourrait imaginer un retour, ce que d'aucuns pensent aujourd'hui, à la sauvagerie originaire ? On peut l'imaginer. J'espère que Véronique en parlera. Si on dit qu'il y a ce retour à la sauvagerie originaire, cela veut dire qu'il y a quelque chose qui est comme, pour moi, larvé, tapis quelque part, dans un coin, prêt à ressurgir. Et si c'est cela, alors ça pose un problème philosophique très important. Donc, comme je sais ce sur quoi, puisque moi je fais une légère introduction et je répondrai aux questions, mais comme je sais ce sur quoi va intervenir Rachel, j'espère que l'on verra quelle est la place des animaux dans cette organisation, parce que ça c'est important. Est-ce qu'ils nous sont entièrement soumis ou est-ce qu'on peut imaginer quelque part qu'il y ait de notre part une soumission à leur égard ? Quel rôle jouent les animaux et est-ce qu'ils ont comme nous un rôle à jouer ? Ça veut dire que nous jouons un rôle. Est-ce que les animaux sont d'accord pour jouer ce rôle dans les cirques, pour prendre cet exemple-là, ou dans les zoos ? Ça, c'est la dure tâche, je crois, de Rachel. Et il y a chez Rachel quelque chose qui m'intéresse, et je suis ravi, évidemment, de ce soir lui poser la question, c'est concernant la résistance animale. C'est-à-dire, et j'espère qu'elle répondra tout à l'heure, est-ce que les animaux, comme nous aujourd'hui on le voit, résistent au sein des organisations ? Et ce qu'il y a d'extraordinairement curieux, si l'on dit
que les animaux résistent, c'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être soumis à notre organisation, alors moi, ce qui me fascine, c'est peut-on établir les stratégies de ces animaux, chère Rachel? Est-ce qu'on peut imaginer que les animaux s'assemblent pour se révolter? Je pense que Rachel dit non, et que les révoltes sont jamais collectives, et ce pourrait être la différence entre nos révoltes à nous, qui sont souvent collectives, on le voit, et les révoltes animales qui sont, si j'ai bien compris ce qu'elle dit, très souvent et toujours individuelles. Ce qui revient à dire, si je ne me suis pas trompé, qu'il n'y a pas de pensée politique chez l'animal. Alors moi, ce qui m'intéresse cet après-midi, si on pouvait, et je vais m'arrêter là-dessus, puisque j'ai dit que je ne prendrai pas beaucoup de temps, c'est de savoir si effectivement l'animal nous ressemble, si le monde dans lequel nous sommes est également le monde de l'animal, c'est-à-dire qu'est-ce que ce monde, est-ce qu'on partage le même? Et évidemment, la question qui revient sans arrêt chez les étudiants, c'est l'animal comme l'homme a-t-il conscience de lui-même? Il faut quand même savoir, avant de répondre, si on pose la question, que la conscience, c'est vraiment le savoir avec, conscio, c'est-à-dire le savoir. Est-ce qu'au moment où je parle, j'ai conscience de ce que je dis? Oui. Est-ce que l'animal a conscience de lui-même? Ça, c'est une immense question. Donc je laisse maintenant, je crois, la parole à Valérie, qui va la passer à quelqu'un d'autre. Alors, je vais peut-être interroger nos représentants donc des classes préparatoires là, qui sont sur le plateau. Donc là, je vais m'adresser peut-être aux étudiants de Roosevelt. Donc là, il y a une question de Clément et une question de Théophile. Peut-être que vous avez envie de poser votre question directement. Donc on commence par Clément. Oui, bonsoir. Bonsoir, oui, Clément. J'avais une question. Je me demande si on peut dire que l'homme et l'animal partagent le même monde. Je vais répondre. Allez-y, allez-y, Gérard. Moi, je crois que l'homme et l'animal partagent le même monde. Je crois que l'homme et l'animal cohabitent. Le problème, je l'ai expliqué assez rapidement, c'est que le monde dans lequel nous sommes est un monde que nous avons fabriqué. Alors, je ne veux pas faire le savant et retourner chez Nietzsche, mais les objets qui nous entourent, par exemple ce stylo, cette feuille, ou les animaux, nous les nommons. Mais nous les nommons, et dit Nietzsche, en les nommant, nous les approprions. C'est-à-dire que quand vous dites « ceci est un chien », immédiatement, on a un pouvoir sur le chien. Le chien, si vous voulez, aussitôt qu'il commence à revendiquer, soit, évidemment, on lui met un coup pour qu'il se taise, pour qu'il soit soumis. Mmh. Et ce rapport que nous avons fait que l'animal ne peut pas être dans le monde qui est le nôtre, alors que le monde dans lequel il est et le monde dans lequel je suis sont effectivement les mêmes. Est-ce qu'il y a une cohabitation? Alors, il va y avoir une cohabitation avec les animaux dits domestiques, mais quand l'animal n'est pas très, 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 très domestiqué, ça nous fâche un peu. Mais pour le dire plus simplement, je crois que le monde dans lequel on est le monde de l'animal, le monde de ceux qui ont un souffle, le monde de ceux qui ont évidemment une âme, à laquelle, même si ce n'est pas très, 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 très moderne de le dire, en laquelle je crois. D'accord, merci Gérard. Alors on a une autre question, donc peut-être Théophile. Donc, bonsoir. Bonsoir Théophile. Donc, j'avais une question, et ma question c'est la suivante. Est-ce que l'animal est conscient de lui-même? Alors je crois que j'ai déjà répondu. Ce qu'on appelle la conscience, c'est évidemment le savoir que l'on a de façon immédiate. Là, j'ai conscience, par exemple, de vous parler. C'est-à-dire que je sais que je le fais. Est-ce que l'animal sait qu'il le fait? Ça, faudrait peut-être, sans humour, lui poser la question. Je ne suis pas tout à fait certain qu'il soit capable d'avoir cette conscience. Le problème qui me semble plus important, en tout cas moi, même si la question est très 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 importante, c'est est-ce que l'animal a une connaissance? Une connaissance, c'est-à-dire est-ce qu'il naît au moment
où il apparaît, où il voit les choses, où il les identifie, davantage évidemment que la conscience. On peut dire, même si je m'avance peut-être un peu, qu'il a conscience, non pas de lui-même, mais il a conscience de ce qui l'entoure, et il connaît évidemment les obstacles, et il sait comment les détourner, ou comment évidemment se débarrasser de ces obstacles. Est-ce qu'il a une vraie connaissance ? En tout cas, si on répond qu'il a une connaissance, ça m'étonnerait, je pense, qu'il naît avec cette connaissance. La connaissance qu'il a, je pense qu'elle n'est pas très, très, très évolutive. Et c'est la raison pour laquelle, même avec les singes bonobos, on s'est aperçu, à un moment donné, qu'il y a une limite. Et cette limite-là, je crains que l'animal ne puisse pas la franchir. Alors, c'est bien que nous ayons réussi à la franchir, mais en même temps, évidemment, on en connaît aujourd'hui les conséquences fâcheuses. Ok. Théophile et Clément, la réponse vous convient ? Les réponses vous conviennent, je suppose ? Bah, j'espère. Oui. Vous pouvez répondre, hein, oui ? Oui, merci. Oui, merci aussi. Ok, ok. Alors, ce que je voulais dire également, c'est à toutes les personnes qui nous suivent ce soir, vous avez la possibilité de poser vos questions donc, en live. Donc, il vous suffit d'aller sur l'icône avec un point d'interrogation « questions ». Et en fait, on répondra à l'ensemble des questions. Enfin, on en prendra certaines. On va voir un petit peu le timing de cette table ronde. Mais on espère répondre à un maximum de questions que vous nous avez posées en live. Donc, à la fin, en fait, de cette table ronde. Voilà. Donc là, maintenant, je vais laisser la parole donc, à Véronique, qui va vous apporter plein d'éléments de réponse concernant la dissertation de culture générale et qui va même donc, se plier un petit exercice donc, devant vous pour vous expliquer, en fait, toute la structure, les structures et tout le contenu, en fait, que vous pouvez suivre pour réaliser cette épreuve. Voilà, Véronique, à vous. Alors, je commence par remercier beaucoup Néoma pour cet événement. Merci. Cet événement qui est vraiment dans la droite ligne de ce que nous appelons à la BHEC le continuum entre les classes préparatoires et les grandes écoles de management, parce que nous sommes, à nous deux, ces deux partenaires-là, un cursus complet, humanisant, diplômant, très apprécié sur le monde du travail. Alors, plutôt que de vous proposer abstraitement des tuyaux sur la dissertation, je vais tout simplement me livrer devant vous à une proposition de dissertation à partir d'un sujet que j'ai choisi et qui est « L'homme peut-il s'animaliser ?» Alors, quelle sera au concours la précaution la plus importante ? C'est toujours regarder comment la phrase est construite. Que suppose-t-on ? On suppose ici qu'il y a un sujet, l'homme, et on se demande si, par accident, éventuellement par choix, il peut y avoir ce double sens, dans « peut-il », une animalisation peut advenir. Alors, je fais remarquer que dans le sujet, il y a la forme réfléchie, s'animaliser, ce qui laisse entendre soit qu'un certain processus naturel s'enclenche, soit qu'il y a de la part de l'humain, parfois, la décision de se laisser aller, d'en finir avec certaines contraintes ou certains usages de l'autonomie. Comme le sujet est l'homme, est-ce qu'il n'y a pas, dans cette question « l'homme peut-il s'animaliser ?», quelque chose comme des conditions de possibilité, à savoir, si on parle de l'homme, est-ce que l'homme est directement et entièrement lui-même ? Est-ce que pour parler de l'homme, il ne faut pas commencer par se demander si lui-même, pour advenir à ce statut d'animal qui pense, d'animal très particulier, il n'a pas dû commencer, à partir de l'enfance, à entrer dans un travail, alors ce qu'on appelle l'éducation, éducation qui va, comme ce nom l'indique, conduire un être en dehors de lui-même, mettre quelqu'un à l'écart de ses impulsions immédiates, à l'écart de ses préjugés qui sont là, ce qui lui permettra peut-être un jour de donner des lois à lui-même et de penser par lui-même
et même de penser contre lui-même. Et donc je propose, puisque dans une dissertation il est très important de ne pas juxtaposer, mais d'enclencher logiquement des étapes. Je propose donc de rencontrer trois phases dans cette réflexion qui va être la nôtre. Première phase, l'homme aurait-il d'abord, pour devenir homme, ne l'étant pas directement, à se désanimaliser, à se désensauvager. Or, si tel est le cas, alors son statut d'homme n'est-il pas fragile? Si l'humanisation doit d'abord avoir lieu pour considérer l'homme comme homme, qui ne l'est pas directement ni entièrement, alors peut-être que cette humanisation est toujours partielle. Peut-être que cette humanisation est toujours à réeffectuer, à réaffirmer. Et donc, s'il y a une fragilité de cette humanisation, est-il possible ou non d'évoquer une possibilité de déshumanisation? Et enfin, cette déshumanisation peut-elle être considérée comme une animalisation au sens propre ou seulement au sens figuré? Alors, je vais entrer dans mon premier travail. Pourquoi dire que peut-être celui qu'on appelle enfant, enfant, infans en latin, c'est-à-dire celui qui ne parle pas encore, mais qui, à certaines conditions, pourra peut-être un jour le faire. L'enfant, semble-t-il, qui parlera un jour, qui donnera un jour des lois à lui-même, qui pensera un jour contre lui-même, et dans un premier moment, en proie à ce qu'on appelle des caprices. Alors, capra, c'est la chèvre. Caprice, c'est le bond de la chèvre. Il y a en lui des impulsions, il y a en lui des formes qui sont immédiates. Il y a des représentations qui peut-être mériteraient d'être moins élémentaires, d'être examinées, d'être interrogées. Et si on se réfère, par exemple, à un philosophe du XVIIIe siècle qui s'appelle Jean-Jacques Rousseau, vous avez un texte de Rousseau qui s'appelle L'Émile, Émile ou de l'éducation, texte dans lequel un certain précepteur qui est le narrateur lui-même, c'est-à-dire qui est Jean-Jacques Rousseau lui-même, va se proposer de désensauvager, éduquer, ex, ça veut dire au dehors, doukere, ça veut dire conduire, conduire l'enfant qu'est Émile, et cet autre enfant qu'est Sophie, parce qu'il faudra une compagne à Émile, pour l'amener à s'écarter en étant décentré de ses impulsions, de ses appétits. Et d'ailleurs, Rousseau va, dans le contrat social, prolonger cette hypothèse que d'abord il faut faire d'un enfant, Émile, par une éducation, un candidat à l'humanité. Alors c'est sûr que l'éducation, elle est hétéronome, elle est reçue d'un autre, elle est reçue d'un éducateur, mais dans le but qu'un jour, celui qui a été ainsi éduqué, qui a reçu la loi d'un autre, puisse la donner à lui-même. Et c'est ce qui est décrit dans le contrat social de Rousseau. Dans le contrat social, il est dit que cette coexistence, que l'état social lui-même, permet de faire passer de l'impulsion du seul appétit, qui est esclavage, à autre chose, une obéissance à la loi qu'on s'est prescrite. Vous avez ce chiasme très fort, cette figure
qui, semble-t-il, est un nœud dans le contrat social, il va y avoir possibilité par l'éducation de passer d'une impulsion du seul appétit qui est esclavage à l'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite, qui est liberté. Alors, je conseille, puisque là, vous voyez qu'on a exposé, on a illustré un premier axe, il n'y a de légitimité à rencontrer un nouvel axe qui va être plus rigoureux, qui va être plus complet, que si dans une dissertation, il y a un passage à la limite. C'est-à-dire s'il y a un moment, ça s'appelle penser contre soi-même, où vous faites une objection à vous-même en vous disant, bon, c'est bien gentil hein, de parler d'éducation et de parler d'humanisation par ce biais, mais si cette humanisation est toujours à recommencer, c'est-à-dire s'il y a toujours en soi des impulsions, des préjugés, des comportements instinctifs qui n'ont qu'une envie, c'est de faire retour, alors peut-être cette humanisation est-elle fragile, temporaire, instable. Et c'est précisément ce que nous allons rencontrer dans notre second axe. Alors, j'ai envie de vous dire que chaque fois que vous articulez des propositions, il est impératif de le faire, non pas sur le mode de la juxtaposition. J'ai dit une chose, je vais passer à autre chose, ou j'ai dit une chose, de plus, je dis cela. Pourquoi ? Parce que là, vous ne remplissez pas le contrat de partir d'un sujet pour, à partir de lui, le penser jusqu'au bout, éventuellement avec des reconfigurations, des rencontres de contradictions qui, à chaque fois, font rebondir votre réflexion. C'est pourquoi je pourrais intituler ce deuxième axe « Or, élément nouveau qui s'est produit, fragilité, instabilité, cette déshumanisation qui est toujours partielle et temporaire » pourrait, à un certain moment, être prise en défaut. Elle pourrait se fragmenter, elle pourrait s'exténuer. Alors, l'illustration que je propose va partir d'un texte d'un certain Michel Terechenko, que je vous recommande très chaleureusement, texte qui s'appelle « Ainsi fragile vernis d'humanité ». Mmh. « Ainsi fragile vernis d'humanité ». Comme si l'humanisation qui essaie de faire de nous des humains avait simplement en surface installé certains comportements plus civils ou moins immédiats, fait intervenir certaines médiations qui ne demandent qu'à s'effacer lorsqu'on sollicite ce à quoi elles s'opposent. Alors, dans son texte, Ainsi fragile vernis d'humanité, Michel Terechenko fait référence aux expériences de Milgram. Alors, de quoi s'agit-il ? On demande à des étudiants de s'inscrire hein, pour faire des expériences. Parmi ces étudiants, certains vont faire semblant d'être des commanditaires d'expériences. D'autres vont faire semblant d'être des candidats. Candidats qu'il faudra stimuler, qu'il faudra punir, et d'autres candidats se voient proposer de poser des questions de plus en plus difficiles à ceux qui se présentent comme des candidats, et le maître du jeu demande à ces candidats qui sollicitent les candidats et qui posent des questions, s'ils ont mal répondu, de leur envoyer des décharges électriques de plus en plus intenses. Et bien sûr, les acteurs qui miment les candidats vont se livrer à des expressions de la douleur de plus en plus grandes, ce qui pour autant, puisqu'il y a un maître du jeu qui demande à ceux qui posent des questions d'être de plus en plus intransigeants, ce qui n'empêche pas la montée de la violence et la montée en apparence de la douleur. Alors, que lire
dans ce si fragile vernis d'humanité, bon, qui a été vraiment très documenté par la psychanalyse. Par exemple, il y a un texte de Freud de 1929, un texte très inspiré de ce qui s'est passé pendant la Première Guerre mondiale, qui est intitulé « Malaise dans la civilisation », bon, également un titre très important pour vous cette année. Et là, Freud se demande ce qui se joue dans ce qu'on peut appeler la renonciation à des comportements pulsionnels. Que se passe-t-il lorsque ces comportements pulsionnels sont à nouveau sollicités, par exemple, dans la guerre? Que se passe-t-il lorsqu'on a demandé à un soldat de tuer, c'est-à-dire de contredire la prohibition du meurtre, lorsqu'il rentre chez lui? Et comme je sais que beaucoup d'entre vous sont des cinéphiles, vous pouvez voir à l'œuvre cette enquête et de Freud dans « Malaise dans la civilisation » et de Michel Terechenko dans « Un si fragile vernis d'humanité » dans, par exemple, un film de Kazan qui s'appelle, alors qui a été traduit par « La fièvre dans le sang », « Splendor in the grass », donc c'est le titre originaire. Nous sommes dans une Amérique conservatrice. Nous sommes dans les années 60, dans une Amérique où tout comportement sexuel ou amoureux est prohibé avant le mariage. Et donc vous avez dans « La fièvre dans le sang » le récit de l'entrée dans l'adolescence de deux adolescents qui s'aiment, de deux adolescents qui ne peuvent pas se marier dans l'immédiat et qui donc vont être dans la difficile tâche de réprimer cette attirance tout à fait naturelle de l'un envers l'autre. Alors, pour s'il y a parmi vous des amateurs d'Hitchcock, sachez qu'il y a une trilogie de Hitchcock, Les oiseaux, titre qui renvoie directement aux animaux, Psychose, Pas de printemps pour Marnie, où Hitchcock met en scène des situations dans lesquelles il y a des parallélismes, par exemple dans Les oiseaux, entre l'attaque brutale des oiseaux, il y a des oiseaux qui se déchaînent. À quel moment se déchaînent-ils? Lorsque certaines mères sauvages, alors c'est vrai que dans Les oiseaux, la mère n'a pas la sauvagerie de celle de Psychose, par exemple, ou celle de Pas de printemps pour Marnie, qui obéit à la même famille de films chez Hitchcock. Mais lorsque la mère sauvage, qui est bien documentée et qui est pensée par la psychanalyse, se déchaîne, les oiseaux, symboliquement, attaquent l'héroïne qui est entrée dans le champ d'attirance amoureuse du grand-fils de cette mère sauvage qui s'est déjà déchaînée contre une institutrice qui avait flirté avec son fils et qui va se déchaîner contre celle qui arrive à Bodega Bay. Alors, sur la mère sauvage, en tant que chaque mère qui met au monde un enfant, le fait à partir d'un corps qui est comme transcendé par un corps qui est plus archaïque. Monsieur le marié a dit tout à l'heure que indéniablement nous étions humains, nous étions des animaux, l'animal que je ne suis plus, mais qui demeure dans cette sauvagerie de celle qui transmet la vie. Je conseille un livre très inspirant, très fort, d'une philosophe et psychanalyste qui s'appelle Anne Dufour-Mantel et qui s'appelle « La mère sauvage ». Alors, pour vous donner envie, je vais lire deux très courts extraits. « Toute mère est sauvage en ce qu'elle appartient à une mémoire plus ancienne qu'elle, à un corps plus originaire que son propre corps, boue,
sable, eau, matière, liquide, sang, humeur. Ou encore, une mère donne accès au monde à son enfant pour autant qu'elle est elle-même traversée par cet espace maternel archaïque que j'appelle sauvage et qu'il excède constamment, dont l'enfant se nourrit et qui la nourrit aussi. Donc, espace archaïque, travaillé par Freud, qu'il appelle l'espace préhistorique, l'espace archaïque. D'où la question, faut-il, si l'humanisation de l'homme est instable, si l'homme doit se désensauvager alors que cette sauvagerie latente ne demande qu'à faire retour, elle se tient au fond de lui, elle peut se manifester. S'il y a risque de déshumanisation, peut-on pour autant parler d'animalisation ? Se déshumaniser, courir le risque de l'inhumain, est-ce s'animaliser ? Alors vous voyez bien qu'il va être compliqué de le dire au sens propre. Peut-être qu'on ne peut pas le dire au sens propre. Pourquoi ? Parce que l'animal est directement et entièrement lui-même. À la naissance, l'animal, alors bien sûr, il va y avoir un autotélisme, bien sûr, il va croître, s'auto-entretenir, s'auto-réparer, décroître, se reproduire, ce qui sont les caractéristiques du vivant, mais il se trouve que l'animal est directement et entièrement lui-même, alors que l'humain est toujours à devoir s'humaniser, il n'est pas directement lui-même, il n'est jamais entièrement lui-même. On ne peut jamais dire qu'une humanisation a abouti, que ça y est, on est humain, d'une façon irréversible. Et donc, il me semble que si on veut parler d'animalisation, il faudrait davantage le faire en un sens figuré. Je donne deux exemples, et ce sera ma conclusion. Michel Tournier, dans « Vendredi ou les limbes du Pacifique », revisite le mythe de Robinson, d'une façon pessimiste, il va dire qu'à un certain moment, Robinson, qui est privé de l'altérité, parce que Vendredi, qui est un autre humain, n'est pas encore arrivé, il ne l'a pas encore rencontré, va progressivement perdre l'usage de la pensée. Pour penser, il faut qu'il y ait un enjeu à le faire, il faut que la pensée soit falsifiable, il faut qu'un autre qui pense la même chose que moi ne pense pas comme moi. Or, si ma pensée est infalsifiable, peut-être va-t-elle s'exténuer. Si ma perception n'est pas falsifiable, peut-être va-t-elle disparaître. Et vous avez un moment où Robinson se met, se déshumanisant, à faire l'amour avec la terre. Donc, à travers des racines, vous avez une mandragore qui va naître de cette rencontre régressive, violente, bestiale. Et il y a un moment où même sa barbe prend racine dans la terre. On est en effet dans une déshumanisation. Pourquoi le dire seulement au sens figuré ? On peut le dire aussi chez Marie Darrieussecq, par exemple dans « Truisme » de Marie Darrieussecq. Il y a un moment où l'inhumain prend la métaphore du bestiaire, se déshumaniser peut se manifester comme devenir loup-garou, devenir truie dans Truisme, devenir animal dans Vendredi ou les limbes du Pacifique. Mais là, vous voyez bien, et ce sera la conclusion de cette conclusion, qu'autant l'inhumain peut arriver à l'humain, effectivement, c'est ce qui, dans l'humain, va à l'encontre de l'humain, est régressif. Autant l'animal ne peut pas être inhumain. Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas y avoir non plus de bestialité chez l'animal. Il ne peut pas y avoir de violence chez l'animal, puisque l'animal ne peut pas, n'étant pas éducable, ne pouvant pas être décentré,
ou mis à l'écart de lui-même, il ne peut pas y avoir chez lui d'autonomie. Il ne peut pas y avoir de loi donnée à l'animal par l'animal. Je vous remercie de votre attention et donc je suis ouverte à vos questions. Merci Véronique, un très très bel exposé avec de nombreuses références, je pense qu'ils vont servir à nos élèves de classe prépa. Donc là je vais voir si j'ai quelques questions, peut-être Enzo de Clémenceau, je sais pas, tu avais une question sur l'anthropomorphisme, peut-être tu veux la poser à Véronique ? Oui, donc bonjour, donc d'abord merci pour votre intervention. Donc oui, effectivement, j'avais une question sur l'anthropomorphisme que l'homme peut faire quotidiennement à l'égard de l'animal, des animaux. Est-ce que selon vous, pour pouvoir considérer l'animal, pour pouvoir le respecter, pour pouvoir lui attribuer peut-être des qualités, il est nécessaire forcément de faire preuve d'anthropomorphisme à son égard ? Merci. Alors, je suppose que vous appelez anthropomorphisme cette projection, et c'est vrai que c'est difficile de l'éviter, qui fait que l'humain pense la plupart du temps l'animal à partir de lui-même, comme s'il était un autre, comme s'il était dans une altérité. Et je pense que quand vous parlez de respecter l'animal, vous n'entendez pas par là voir en lui un sujet potentiel ou voir en lui un autre potentiel, mais simplement essayer de prendre en compte sa dimension sensible. C'est vrai que, par exemple, dans le Code civil en France, il y a encore peu de temps, l'animal était considéré comme un bien meuble, c'est-à-dire un quelque chose qu'on pouvait déplacer, de quoi on pouvait faire absolument tout ce qu'on voulait, alors que désormais, on va considérer l'animal comme un être pourvu de sensibilité, ce qui a bien sûr des conséquences considérables, puisque si, comme l'humain, l'animal est sensible à la douleur, partage avec nous le monde sensible, alors bien évidemment, respecter l'animal, c'est s'interroger sur la possibilité de lui faire mal si on a avec lui tel comportement ou tel comportement. Donc, par exemple, on peut s'interroger sur les animaux de laboratoire. Il y a eu des reportages très offensifs qui sont entrés, par exemple, dans des abattoirs pour s'interroger sur le contexte dans lequel la mise à mort donc d'animaux dont on consomme la chair sont effectuées. Et je dirais que il ne s'agit pas de renoncer, si on est humain, à penser l'animal à partir de soi, parce que, par exemple, la sensibilité que j'éprouve, la douleur, le plaisir que j'éprouve, je peux aussi bien penser à partir de moi ce qu'un animal peut ressentir s'il vit tel choc, s'il est placé dans tel contexte ou dans tel contexte. Alors par contre, comme je ne peux pas voir en l'animal un autre au sens d'autrui, c'est-à-dire celui qui est à la fois différent et même que moi, c'est-à-dire celui qui, comme moi, est capable de mettre à distance des instincts ou des impulsions, alors en effet, là on est dans une forme de rencontre imaginaire. Vous avez un philosophe qui s'est demandé quel effet ça faisait d'être une chauve-souris. Est-ce qu'on est capable même de se représenter ce que c'est que l'écholocation, c'est-à-dire la possibilité pour la chauve-souris de se déplacer dans l'obscurité avec simplement le secours des sons qui résonnent, des échos? Je ne sais pas si cela est même envisageable. Je ne sais pas du tout si j'ai répondu à votre question. Enzo, est-ce qu'on a répondu à votre question ? Merci. Vous m'avez donné des bonnes pistes à explorer. Merci beaucoup. Merci Véronique. Alors j'avais également une question de Jackie concernant le langage. Jackie, tu peux peut-être poser ta question. Bonjour. Ma question, existe-t-il une distinction entre le langage humain et le langage animal ? Un vaste sujet. Alors peut-être, dans votre question, pensez-vous
à ce qu'on appelle le langage des abeilles. Pourquoi éviter le terme de langage lorsqu'on évoque les animaux? Pourquoi réserver le terme de langage pour l'humain? Parce que, par exemple, dans la danse des abeilles, qui a été étudiée, qui est maintenant bien connue, il y a davantage ce qu'on appelle un code, c'est-à-dire des signaux qui sont émis si et seulement si il y a un enjeu vital. Il se trouve que les codes utilisés par les animaux sont toujours liés à l'instinct de nutrition, à l'instinct de survie. Par exemple, si l'abeille danse d'une certaine façon en effectuant telle démarche ample ou plus restreinte, ceci est bien connu et correspond à l'indication à d'autres abeilles qu'il y a des fleurs intéressantes dans telle direction et à telle distance. Donc vous voyez que quand on parle de code pour les animaux, on est toujours dans un contexte qui ne peut pas mettre à distance l'instinct ou les impulsions, c'est-à-dire cet autotélisme de l'animal. Autotélisme, ça signifie que l'animal a pour finalité de persévérer dans son être. Spinoza dirait conatus, sans pouvoir s'en écarter. Donc il y a toujours dans ce que fait l'animal un rapport direct avec la nourriture ou avec la sexualité, alors que dans le langage humain, et là je reprends ce que j'ai dit tout à l'heure sur cette prise d'écart entre soi-même et soi-même, dont l'éducation, il y a la possibilité de faire autre chose que vivre en étant un exemplaire d'une espèce qui va s'abîmer, qui va devoir s'auto-réparer un certain temps. Et à un moment, c'est plus possible de s'auto-réparer si on est animal. Et heureusement, la reproduction remplace un exemplaire usé par un autre, qui est plus neuf, qui va pouvoir s'auto-réparer, s'auto-entretenir. Et donc, je dirais que l'humain, lui, est capable de donner à une existence particulière qui va être la sienne, qui n'est pas superposable avec les existences d'autres individus humains, une signification. Pour qu'il y ait langage, il faut qu'il y ait donation de signification indépendamment d'un contexte physiologique strict. Alors, c'est la réponse que je vous ferai. Je ne sais pas du tout si elle vous satisfait. Merci, merci Véronique. Alors, on va passer maintenant la parole à Rachel, donc, qui va aborder l'animal encore sous un autre angle. Merci Valérie. Alors effectivement, moi je ne suis pas philosophe, mais en tant qu'enseignant-chercheur qui s'intéresse au fonctionnement des organisations, je me suis récemment penchée sur la question du rôle des animaux dans les organisations. Avant de partager avec vous les résultats d'une recherche que j'ai conduite avec deux collègues, Thierry Boudès qui est professeur à l'ESCP et Nathalie Rollet-Crozet qui est professeur à l'IAE de Paris, je voudrais contextualiser le propos. Notre approche, elle s'inspire de travaux d'anthropologues tels que Bruno Latour ou Philippe Descola, qui déjà depuis plusieurs décennies invitent à challenger, entre guillemets, l'exceptionnalisme humain dans la compréhension des relations sociales, dans la compréhension de ce qui fait société. Je vous invite à aller voir sur le site de Philosophie Magazine une récente interview de Bruno Latour, justement, qui l'explique de façon très claire. Les relations sociales y incluent vraiment entre humains et humains. Elles mettent en jeu aussi des non-humains. Et l'histoire récente nous le rappelle un peu à nos dépens. On l'avait peut-être un peu oublié, mais dans la relation entre des humains peuvent intervenir des miasmes, des bactéries et des virus, par exemple, qui amènent de fait à modifier nos rapports humains et nous imposent une certaine distanciation sociale qui n'est pas du tout rigolote. Donc, si on s'appuie sur ces travaux d'anthropologues, il serait extrêmement réducteur et peut-être même dangereux d'adopter un prisme de compréhension de la société qui exclut les non-humains. Et donc, vous voyez arriver, qui exclut en l'occurrence, sur notre thème d'aujourd'hui, les animaux.
À l'inverse, il pourrait être fructueux de décentrer le regard pour comprendre ce qui fait société et d'intégrer justement en quoi, là, les animaux font partie, mais même ont un pouvoir d'agir, ce qu'on appelle l'agency animal, qui vient structurer la société, les organisations. Alors, que viennent faire, pourrait-on se demander quand même, les sciences des organisations, et là on est en sciences de gestion, en sociologie, que viennent faire ces sciences là-dedans? Tout d'abord, il y a quand même un certain nombre d'organisations qui mettent les animaux au travail, ou qui, en tous les cas, impliquent fortement les animaux. Les fermes, les zoos, les cirques, les services de police où il y a des chiens policiers, les laboratoires, les élevages, les safaris et la chasse. Donc, il n'y a pas que les humains et les robots qui travaillent, il y a aussi les animaux. Et par exemple, deux sociologues françaises, Jocelyne Porcher et Tiffaine Schmidt, ont étudié les exploitations laitières, hein, et elles ont montré que même dans une organisation qui est extrêmement rationalisée, standardisée, avec beaucoup de dimensions prescriptives, où finalement tout est organisé par des robots, ben les vaches ont une autonomie de comportement. Elles opèrent des choix qui vont se traduire par des pratiques plus ou moins coopératives, que ce soit avec les robots, justement, avec leurs pairs, les autres vaches, et avec les fermiers. Donc là, dans ce cas des exploitations laitières, on est quand même dans une relation de domestication, avec donc une dimension de subordination. Mais les chercheuses montrent que certaines vaches vont agir machinalement en fonction des consignes, des bruits des robots, et d'autres vont attendre avant de bouger, par exemple, vont broncher face aux contraintes et vont donc utiliser, on dirait en sociologie des organisations, leur marge de manœuvre pour exprimer leur, pour s'exprimer déjà et donc pour collaborer ou pour résister. Donc à ce stade du propos, il s'agit avant tout de considérer que les animaux sont loin d'être des agents passifs ou des objets, comme tu l'évoquais, Gérard, tout à l'heure, mais qu'ils déploient des capacités cognitives, qu'ils déploient des capacités émotionnelles, qu'ils déploient des tactiques, peut-être même aussi des capacités morales. En tout cas, ils développent des compétences en situation. Parce que peut-être que d'ailleurs, voilà, si les vaches n'étaient pas dans l'exploitation laitière, elles n'auraient pas développé ces compétences. Et que donc, les animaux sont des acteurs à part entière qui sont pris dans des formes de dans plein de formes en fait de relations possibles avec d'autres animaux, que ces autres animaux soient humains ou non humains. D'où cette idée qu'il existe un pouvoir d'agir animal qui ne serait pas strictement de l'ordre du pouvoir d'agir humain et qui serait pas non plus totalement de l'ordre du pouvoir d'agir matériel, les outils, les objets. Mais là, moi, la chercheuse que je suis, c'est-à-dire qui mène l'enquête, se demande comment je vais accéder à cette compréhension du pouvoir d'agir animal, d'autant que je ne suis pas éthologue, et d'ailleurs certains hein, sociologues et anthropologues travaillent de plus en plus avec des éthologues pour essayer d'accéder à une meilleure compréhension du monde animal. Je pense par exemple aux travaux de Vinciane Després, Habité en oiseau. Moi, une de mes façons de mener l'enquête, c'est de conduire des interviews pour comprendre comment fonctionnent les organisations. Et là, je me heurte quand même à la question du langage ou de la traduction, c'est-à-dire je ne vois pas comment je peux aller interviewer des animaux. Je ne m'en sens pas du tout compétente. Peut-être que ça peut être un champ méthodologique, mais moi, je ne m'en sens pas compétente. Donc, on va devoir se contenter pour le moment de passer, soit de passer par le prisme humain qui traduit des comportements et qui verbalise ce faisant des comportements, soit on a une autre possibilité dans les sciences des organisations, c'est qu'on peut observer et conduire une forme d'ethnographie des organisations. Donc, c'est ce que nous avons fait avec mes deux collègues, Thierry Boudès et Nathalie Rollet-Crozet. On a fait le choix d'observer, comme avec une méthode ethnographique, le fonctionnement de la chasse à cours, hein, en tant qu'organisation qui se déroule en plein air, plusieurs fois par semaine, pendant l'hiver essentiellement, et où se jouent plusieurs types de relations inter-espèces, hein, avec plusieurs animaux, plusieurs types d'animaux et même plusieurs types d'humains aussi.
Alors, bien sûr, c'est un sujet très, très polémique, avec des farouches opposants, des farouches partisans. Mais notre propos, ce n'est pas du tout d'entrer dans la polémique, c'est d'adopter ce qui est le propre de l'ethnographie, une posture compréhensive, avec, voilà, essayer, on se posait cette question, qu'est-ce qu'on peut voir des interrelations entre humains et non-humains dans une organisation, puisque de fait, la chasse à cour, à un moment, va produire un spectacle, va produire une performance. Et ça, c'est la question que se posent les sciences de gestion. Qu'est-ce qui produit la performance? Alors, qu'est-ce qu'on a observé? Alors, la chasse à cour, c'est une organisation qui obéit à beaucoup, beaucoup de rites. Hein. Et il y a des sociologues très connus, Michel Pinson et Monique Pinson-Charlot, qui l'ont très, très bien étudiée. Elle démarre au moment du rendez-vous, la chasse à cour, où tout le monde, humain, non-humain, la meute, les chiens, les cavaliers, les chevaux, les suiveurs, les chasseurs, se réunissent autour d'un humain, le maître d'équipage, qui indique finalement quels sont les cerfs, par exemple, hein, ou les chevreuils qui ont été identifiés dans le bois le matin et vers lequel la chasse va se dérouler avec une règle importante qui est que qu'un seul animal ne peut être chassé. Et quand nous, on observe les humains pendant la chasse à cour, on voit essentiellement des comportements d'incertitude, des doutes, des questions. Mmh. Mais où est la chasse? Mais où est le cerf? Mais est-ce que la chasse ne serait pas finie, d'ailleurs? Et des gens qui sont plutôt perdus. Les humains sont perdus, les chiens sont-ils en train de chasser, mais que se passe-t-il? Alors vous imaginez, on est en plein air, il n'y a pas de panneau indicateur nécessairement dans la forêt, le GPS est interdit, sinon on ne respecterait pas justement les codes de la chasse, et même le téléphone portable aussi. On est dans le règne de l'incertitude. Et donc on s'est penché sur les trois catégories d'animaux qui sont ici directement impliqués. Les chasseurs sont des cavaliers, donc ils montent à cheval la plupart du temps. Ils ont en fait une relation quasiment intime avec leur cheval, qu'ils entretiennent toute l'année, qu'ils prénomment. Parfois, ils le louent. Bon, mais la plupart du temps, c'est leurs chevaux. Ça veut dire qu'ils connaissent bien leurs signes de fatigue, les obstacles qu'ils sont capables de passer ou de ne pas passer. Et une des grandes vertus du fait de monter à cheval, c'est justement de pouvoir passer des ronces, des obstacles que, par exemple, une voiture ne pourrait pas passer. Mais pendant l'action de chasse, fondamentalement, les chevaux sont plutôt quand même mis à la place d'un pouvoir d'agir matériel. Ils sont un peu utilisés comme des véhicules, quelle que soit la nature de la relation qu'ils peuvent entretenir entre le cavalier et les chevaux par ailleurs. Le cerf, parce qu'on a plutôt étudié des chasses à cour au cerf. Le cerf, lui, incarne le monde sauvage. Les humains en parlent pour le magnifier, pour insister sur son caractère étrange, valoriser sa beauté et s'émerveiller devant les stratégies qu'il déploie. Donc, on observe, par exemple, qu'une chasse s'arrête. Pourquoi? Parce qu'un cerf est allé sur un territoire qui est une propriété privée, que les chasseurs n'ont pas le droit d'y accéder. La lecture qu'en ont les humains, c'est qu'ils le savaient. Ils savaient qu'à cet endroit, on ne pouvait pas y accéder, c'était une propriété privée. Et donc, les humains prêtent à l'animal une intentionnalité, une stratégie, une tactique pour se préserver, en l'occurrence. Le cerf n'est pas prénommé, contrairement aux chevaux, mais on note quand même des formes d'anthropomorphisation dans la lecture du comportement du cerf. Vous voyez, vous avez un peu entendu dans ce que j'ai dit. Il est doué d'intention. Il est doué d'intention pour déjouer les autres protagonistes, que ces autres protagonistes soient des humains ou des non-humains, les chiens. Et dans les propos qui sont tenus, on peut, voilà, même être amené à se demander si finalement le cerf, là, n'est pas considéré avant tout comme un rival, un père, et à qui l'on confère plutôt un pouvoir d'agir de nature humaine, une agency qui est humaine. Restent les chiens. Et les chiens, même on le voit physiquement dans le déroulé d'une chasse, sont finalement ce trait d'union entre le sauvage et le domestique, ce qui va faire le lien entre le cerf et
les cavaliers et les chasseurs. Il se situe à mi-chemin, finalement, d'un rapport domestique et d'un rapport sauvage. D'un côté, il y a quand même une forme de domestication, puisque les chiens sont élevés au chenil, sont prénommés, et les cavaliers, les suiveurs qui suivent intensément la chasse ont plein d'anecdotes à raconter pour dire que tel chien est plus futé, tel chien est plus rapide, tel chien a un meilleur odorat, tel chien va s'avérer extrêmement tactique quand il s'agira, je ne sais pas, de traverser une route, etc. Pour autant, les chiens ne rentrent pas dans la maison, ne rentrent pas dans la vie domestique des humains. Ils sont élevés à part au chenil. Toujours dans ce maintien, quelque chose d'hybride entre du domestique et du sauvage. Et si on observe, cette fois-ci, les chiens en situation, pendant la chasse, ben, fondamentalement, ce sont les chiens qui chassent. Ce sont les chiens qui donnent la direction. Ce sont les chiens qui guident l'humain. Il lui donne des informations. Il donne des informations. Il se récrie. Alors, je n'ai pas la compétence, moi, pour interpréter les différents cris des chiens, mais les cavaliers, eux, ont développé cette compétence. Et il y a une sorte d'échange dans la forêt entre le bruit des trompes produites par les humains et les récris des chiens. On observe donc bien, cette fois-ci, une forme de coopération entre les chiens et les humains dans l'organisation de la chasse. C'est l'action des chiens qui structure le déroulé de la chasse. Ce sont eux, à nouveau, qui décident où aller. Et l'action humaine dépend, finalement, du pouvoir d'agir des chiens. D'où là, voilà, l'idée qu'on a eue, c'est que peut-être que là, on commence à avoir des éléments qui nous permettent de caractériser quelque chose qui est de l'ordre du pouvoir d'agir animal, qui n'est donc ni un pouvoir d'agir humain, ni un pouvoir d'agir matériel, et qui repose... bien sûr, on est sur la question de la dialectique dans la relation de pouvoir, hein, qui est propre au travail sociologique, mais qui repose fondamentalement sur le fait que l'humain accepte la situation d'incertitude et quelque part laisse la main, laisse la direction des événements, de l'organisation, de la chasse en tant qu'organisation, aux animaux, en l'occurrence aux chiens. Et c'est parce qu'il y a cette mise en tension entre, d'un côté, l'incertitude des humains et une forme de pouvoir d'agir des animaux qui a la performance, qui a le spectacle, qui a tout ce déroulé de la chasse à courre. Et tout le code de la vénerie vient justement, par exemple, l'interdiction d'aller poursuivre un autre animal, l'interdiction d'utiliser les téléphones portables, vient justement entretenir l'incertitude pour que le pouvoir d'agir animal se déploie. Alors, je suis quand même consciente dans ce que je dis, que néanmoins, tout ça est organisé par l'humain au début, et les chiens sont élevés par les humains. Mais on a là une situation qui n'est pas totalement une situation de résistance individuelle, qui n'est pas exactement la même situation que les vaches laitières, déjà parce qu'il y a cette question du rapport au sauvage qui n'est pas présente dans l'exploitation laitière, mais où, parce que là, il y a bien une coproduction de l'action entre les humains et les animaux. Donc voilà, mon propos, c'était d'introduire le fait que des travaux aujourd'hui en anthropologie, en sociologie des organisations, en sciences de gestion, s'intéressent au rôle actif que peuvent jouer les animaux dans des organisations qui restent conçues par des humains. Avec cette idée que cette part d'incertitude, voilà, est peut-être ce qui crée les conditions pour que le pouvoir d'agir animal puisse se révéler. Le pouvoir d'agir animal existe, hein, bien évidemment, de toute façon, mais qu'il puisse se révéler dans quelque chose qui est structuré et organisé par les humains. Alors, j'ai l'impression que Gérard a une question à te poser. Oui, j'ai une question, c'est parce que moi, je suis très intéressé par la notion d'incertitude. Je trouve que c'est brillant. Et je voulais savoir si on peut imaginer que l'animal, le chien, par exemple, puisse comprendre que l'homme est dans cette incertitude. Est-ce que l'animal pourrait en jouer ?
Toi, tu as bien expliqué avec le cerf qui entre sur un terrain qui n'est pas le sien, on peut penser que c'est un choix délibéré. Est-ce qu'on peut imaginer que le chien sache qu'il se situe, pluriel, dans une notion d'incertitude? Est-ce qu'on peut penser ça, pour revenir à la question de l'étudiant joue, de tout à l'heure, en fait, qui se met à jouer lui-même un jeu? Alors voilà, je vais répondre des observations que oui. j'ai faites, parce que c'est ce qui fonde la recherche qu'on a menée. On a vu des comportements individuels de chiens qui prennent la poudre des scampettes et d'eux-mêmes décident qu'ils ne feront plus partie de la meute, mais parce qu'ils ont décidé d'aller faire autre chose. Ça ressemble un petit peu à des comportements des vaches laitières dans les exploitations laitières. Mais on voit aussi des comportements collectifs d'une partie de la meute, alors qui décide quand même, enfin dans tout le cas, qui intentionnellement, par exemple, peut-être qu'on l'interprète nous comme une forme de résistance, mais qui décide par exemple à un moment de scinder la meute en deux et de partir sur une autre voie ou pour arrêter de travailler en fait, hein, puisqu'ils sont en train de travailler. Et c'est là où les humains vont réintervenir pour recanaliser par exemple la meute. Mais ils sont souvent dépassés. Les humains. Alors, je ne sais pas, parce que je ne sais pas interviewer les chiens si c'était totalement intentionnel, mais il y a bien, et si ils se sont concertés entre eux, mais il y a bien des mouvements collectifs de façon, si ce n'est de résister, en tout cas, de ne pas suivre la norme édictée. D'accord. Merci Rachel pour ce très bel exposé aussi, c'était très très intéressant, toute cette organisation de la chasse à courre. Alors là on va peut-être prendre encore quelques questions. Donc là j'avais une question, alors attendez, je vais des représentants des classes préparatoires. Je ne sais pas, Cassiopée, tu avais une question sur la famille par rapport aux animaux. Cassiopée ? Bonjour. Alors ma question serait sur la notion de famille chez l'animal. Est-ce qu'il en a une ou pas, comme l'homme pourrait en avoir? Alors qui souhaite prendre cette question, cette question, je ne sais pas. Moi je ne sais pas. Moi j'imagine que la notion de famille chez l'animal, si il y a la notion de famille, n'est pas, je crois, la nôtre. On imagine mal qu'il puisse y avoir chez les animaux un grand-père, une grand-mère, un oncle, une tante, une nièce, une cousine. Ça, je ne crois pas. Par contre, on peut penser qu'il y a cette idée de famille en regardant, en observant le comportement des chiens, le comportement des chats. Je crois que les... Je crois, oui. Je crois que les mères, les chattes savent que leurs enfants sont les leurs. Et on l'a démontré. Cette notion de famille, bon, faut pas la penser. C'est ce que disait tout à l'heure, je crois, Véronique. Faut pas penser le monde de l'animal avec le langage qui est le nôtre. Faut changer. Je sais pas s'il faut parler de famille. Moi, je parlerai pas de famille. D'accord, merci. Mais je sais pas, peut-être que Véronique, non. Véronique, vous voulez ajouter quelque chose ou par rapport à la notion de famille chez l'animal ou non? Éventuellement. Oui, allez-y. Éventuellement, si vous souhaitez. Ce que je pense, c'est que la notion de famille concerne si une famille partage des histoires, partage une certaine signification. Les générations ne succèdent pas aux générations chez les humains. De la même façon à ce que dans une espèce animale en particulier, encore une fois, les générations ne font, mis à part l'évolutionnisme qui se passe sur des milliers d'années, puisqu'il y a une adaptabilité du vivant, les générations se succèdent, un exemplaire d'une espèce en remplace un autre, les exemplaires sont superposables, la grand-mère de Maya l'abeille, pour prendre une image choc, faisait exactement la même ruche. Il n'y a pas d'histoire des ruches, il n'y a pas d'histoire de barrage des castors. Et donc, à partir de là, si famille il y a, parce qu'effectivement, dans certaines espèces, c'est tel mâle qui prend le relais à tel moment, ou dans la ruche, vous avez telle organisation, des gardiennes qui deviennent des nourrices autour de la reine. Il me semble qu'il faut bien faire la différence entre ce qui est
stéréotypé, superposable chez les animaux, et ce qui, dans les familles humaines, donne une inspiration pour constituer une existence particulière, autrement, par structuration, aussi bien de l'Œdipe, puisque le père dans la famille va s'interposer, va interdire le rapport de l'enfant avec un objet immédiatement disponible, immédiatement proche. Et donc la famille a surtout chez les humains la fonction d'inviter à la médiation, d'inviter à la signification, me semble-t-il. Je vous remercie. Alors là, je vais voir s'il reste des questions là, au niveau des auditeurs. Est-ce que vous avez des questions à poser? Donc, vous appuyez sur le petit icône, donc point d'interrogation, question. Je vais patienter donc quelques minutes, peut-être en reposant une question de nos invités de la classe préparatoire. J'ai une question en fait de Serena. Donc, les animaux savent-ils qu'ils vont mourir? Est-ce que quelqu'un souhaite répondre à cette question? Moi, je... Véronique, non? Éventuellement, oui. Ouais. Oui. Vous avez une notion qui est très importante, qui vient de la phénoménologie, ouais, qui vient de Heidegger, qui est que l'humain est ce qu'il appelle un être un être pour la mort. À savoir, l'être humain anticipe sa mort comme une mort. Et pour reprendre ce que je disais tout à l'heure à propos de famille humaine et d'absence de famille chez les animaux, à partir du moment où l'animal est dans une immédiateté relative, c'est-à-dire n'a pas idée qu'il va décliner, n'a pas idée qu'il lui reste telle durée pour effectuer ce à quoi il tient, beaucoup qu'il doit faire avant un certain âge, si ceci exige du temps, si ceci exige une certaine ampleur de temps, alors je ne sais pas, et en tout cas Leibniz refuse de le dire, je ne sais pas si on peut dire que les animaux meurent, puisque comme un exemplaire est remplacé par un autre, qui est moins abîmé, qui va pouvoir s'auto-réparer un certain temps, on peut dire qu'il y a substitution dans une espèce d'un exemplaire par un autre, alors que lorsqu'un humain meurt, et parfois on dit que lorsqu'un humain meurt, c'est une bibliothèque qui disparaît, c'est toute une élaboration culturelle extrêmement subtile qui disparaît, là, en effet, l'humain qui meurt est irremplaçable. Et là, en effet, quelque chose se passe qui est irréversible, il y a bien une disparition qu'aucun des humains, même s'ils sont porteurs de sa mémoire, ne pourront réaliser à l'identique. Gérard, tu veux peut-être ajouter quelque chose? J'ajouterais, parce que Véronique dit quelque chose d'extrêmement juste avec Heidegger, en disant que l'homme est un être pour mourir, c'est-à-dire qu'il a cette idée qu'il va mourir. Mais je pense que la question qui a été posée, c'est pas tant est-ce que l'homme sait qu'il va mourir, l'homme le sait, le craint, parce qu'il a la notion du temps. Il a cette conscience dont on parlait tout à l'heure, il sait qu'il est dans un passé, il sait qu'il est dans un présent, et il sait qu'il a cet avenir. Là, c'est tout le problème de la raison. L'animal n'a pas cela. Et encore, on ne le sait pas, c'est ce que disait Rachel tout à l'heure, il faudrait l'interroger, il faudrait l'interviewer pour savoir. Mais on peut imaginer, on peut penser qu'il ne le sait pas. Par contre, quand on voit ce que me disait Franz-Olivier Gisbert, qui a étudié dans les abattoirs le comportement de certains animaux, on s'aperçoit qu'ils craignent ce vers quoi ils tendent, ce vers quoi ils vont. C'est-à-dire qu'on peut imaginer ou supputer que là, ils pourraient éventuellement craindre ce qui va se passer, craindre cette mort qui leur paraît inéluctable. Et certains animaux freinent, c'est-à-dire refusent presque d'y aller et se révoltent. Donc ils auraient, d'une certaine manière, conscience, ils sauraient que la mort est là. Mais est-ce que c'est la mort telle que nous on la définit? Sûrement pas. Est-ce que c'est la mort comme passage
d'un lieu vers un autre lieu, je ne le crois pas. Est-ce que l'animal est un être pour la mort? Je crois bien sûr que oui, mais est-ce qu'il en a vraiment conscience? Je pense qu'on peut dire que non, mais on n'en est pas certain. C'est ce que Rachel disait tout à l'heure, il faut absolument qu'on les interviewe, mais comment le comprendre en dehors de l'animal, c'est très compliqué. Nous, on a cette chance inouïe de pouvoir faire ce que l'on fait ce soir, ce qui est passionnant. On ne verra jamais de vache faire ce que nous essayons de faire là. Et pourtant, rien ne prouve que la vache n'a pas peur de mourir. Moi, je crois qu'elle peut avoir peur, elle peut craindre quelque chose. D'accord. Est-ce qu'elle a des angoisses? C'est compliqué. Okay, merci. Alors, on va prendre encore deux, trois questions parce qu'après, le temps passe. Donc, je vais prendre une question de Léa Buneau. Donc, bonjour. Pourquoi nous parlons plus de l'homme que de l'animal? Et pourquoi nous n'avons pas eu le sujet de l'homme alors? Merci. Moi, je trouve que la question qu'elle pose, c'est une jeune femme, hein. Oui, c'est juste. Et j'aimerais bien que Véronique réponde ou que Rachel réponde. Mais en fait, si on parle plus de l'animal, c'est parce de l'homme que de l'animal, c'est parce qu'on ne peut parler que de l'homme. Mmh. Je pense que c'est extrêmement difficile, c'est un sujet très difficile qui a été donné au prépa, de parler de l'animal. On peut parler de l'animal, on va le nommer, on va dire c'est un chien qui est comme ça, un basset. Mais ce que je veux répondre à la jeune fille, c'est que c'est bien qu'on parle de l'homme quand on parle de l'animal. Parce que quelque part, ce que j'ai dit en introduction, pour moi, l'homme est un animal. Et ce que je retiens dans le propos de Véronique, puisque j'ai vanté le propos de Rachel tout à l'heure, je vais vanter le propos de Véronique, ce que je trouve bien, c'est... Il y a comme une petite morale, on dira. Il faudrait qu'on fasse attention à ne pas aller trop dans la déshumanisation. On est en train de reparler de l'ensauvagement, on est en train de parler de ça. Méfions-nous de ne pas accorder à l'animal trop d'importance. Mais je comprends qu'elle puisse demander, parce que je suis d'accord avec elle, beaucoup plus parler de l'homme que de l'animal. Mais parce qu'on ne peut pas parler, en fait, de l'animal. C'est très, très compliqué. Heidegger lui-même se posait la question de savoir si on pouvait parler d'autre chose que de l'homme. De l'être, mais en tout cas, de l'animal, c'est très compliqué. C'est très, très compliqué. Et quand on voit les chasseurs, ils parlent tous de leur chien, ils ne parlent pas du chien, ils parlent de leur chien. Dans le choix qu'ils ont du chien, ils parlent de leur chien. La relation. La relation, qui est une relation très, très privilégiée. Et ils se vantent et ils disent, mais ce chien m'aime, etc. Mais qu'en savent-ils? On n'en sait rien. Rachel, tu veux ajouter quelque chose? Non, je trouve que la question de Léa est très judicieuse. On l'a dit, hein, il y a cette question de nous-mêmes à accéder à une compréhension, à une connaissance des comportements, voire des intentions animales, qui passent obligatoirement par notre prisme. Voilà, donc on est dans ce dialogue-là. Je renvoie quand même aux travaux des éthologues, hein, quand même, qui, eux, justement, sont plus peut-être dans une tentative, en tout cas, de se mettre à la place d'eux et de l'observer de l'intérieur. J'entends derrière peut-être la question de Léa, la question d'effectivement, si on veut cheminer plus loin vers une décentration de l'humain au centre de tout, qui est le sujet posé plus globalement sur les débats autour de l'anthropocène, alors peut-être qu'il faut qu'on change effectivement nos lunettes, nos façons de regarder, nos façons d'interagir. Alors, j'ai une question de Serena. Je vais prendre encore deux questions. Donc, Serena, bonsoir et merci pour ce live. Donc, elle nous remercie pour toutes vos interventions. Donc, c'est sympathique. Peut-on parler d'intelligence animale? Excusez-moi, je veux bien avoir la question, en fait. Merci. Est-ce que je peux avoir la question de Serena, s'il vous plaît? Merci. Et comment peut-on la définir sans s'appuyer sur l'homme? Est-ce que vous êtes inspiré par cette question? Moi, je pense que Véronique, elle va répondre. Moi, je dirais quelque chose de simple et très bref. Je crois, à l'âge que j'ai, qu'il est extrêmement difficile de quantifier l'intelligence en elle-même. Moi, j'ai de plus en plus tendance à penser qu'il y a différentes formes d'intelligence, mais je me suis toujours méfié de ces techniques qui permettent ou qui permettaient de juger l'intelligence comme... le fameux QI de Robinet, même si, évidemment, il fut une époque où
tout le monde entrait là-dedans. L'intelligence animale, c'est la même chose. Parce qu'on va dire qu'il y a des animaux qui sont un peu plus intelligents que d'autres, mais je ne suis pas certain qu'on puisse quantifier l'intelligence animale. Je sais que ça a été fait. Véronique a parlé beaucoup tout à l'heure des abeilles. On a parlé des singes, on a parlé d'autres animaux, mais c'est très compliqué de dire que tel animal est plus intelligent qu'un autre. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que les animaux, même les plus intelligents, comme on dit, c'est-à-dire les singes bonobos, ont de grandes difficultés à trouver un moyen de régler un obstacle qu'on leur propose. C'est-à-dire que même à ce niveau-là, c'est très compliqué. L'enfant, il peut. L'enfant peut, à partir d'un certain âge, qui est 7, 8, 9 ans, c'est pour ça qu'on parle de l'âge de raison, quand tout est structuré. Un animal, un petit singe, quand on lui donne un certain type de problème, pour lui, c'est très compliqué quand il se trouve face à un obstacle nouveau. C'est très, très compliqué. D'accord. Véronique, vous souhaitez intervenir par rapport à cette question ? Éventuellement, hein, peut-être partir d'un repère qui est Bergson. Hein. Pour Bergson, l'instinct et l'intelligence sont deux réponses également élégantes. Il y en a une qui est apportée par l'animal, l'autre qui est apportée par l'humain. Je dirais que l'instinct, il est immédiat, il est spontané, il n'a pas besoin de se construire, alors que l'intelligence, elle, doit faire intervenir des installations, certaines médiations et certaines ruses. Et pour reprendre ce que disait donc mon collègue à l'instant, il me semble qu'il y a chez l'humain trois grands modes de rapport à l'animal et trois grands modes de rapport au monde. Il y a un premier mode qu'on appelle l'intentionnalité, c'est-à-dire on va vers l'animal pour essayer de le définir, ce que fait Aristote, Descartes, ce que font tous les autres, de façon à en faire un usage, de façon à en faire un moyen. Je vais vers l'animal, ma pensée se déploie vers l'animal, et j'essaie, à partir de certains repères, de certaines analogies, aussi bien de le situer comme très étranger à moi-même, ce qui est difficile, il faut faire un effort, comme vous le disiez, soit j'essaie de repérer en lui certaines analogies. Donc ça, c'est le premier mode de rapport à l'animal. Il y a un autre rapport à l'animal. Là, c'est ce qu'on appelle le rapport esthétique. Il y a une suspension d'intentionnalité. C'est-à-dire, je laisse l'animal s'imposer à moi. Je ne bouge pas. Je laisse l'animal s'imposer à moi par sa beauté, par son mode de présence. Et là, je ne pense pas l'animal, je le ressens. Je le reçois en moi, ce qui me permet peut-être d'avoir idée du sentiment de plaisir et de peine qui peuvent être tout aussi bien les siens. Ceci peut être partagé par nous. Et il y a un autre mode qui est le nôtre quand, par exemple, nous faisons la différence entre des objets que nous avons en face et des sujets. Quand j'ai en face de moi un visage, je suis dans la contre-intentionnalité, c'est-à-dire je m'interdis de faire d'un humain un moyen. Je m'interdis de confondre les sujets et les objets. Alors la question est-ce que le respect, quelqu'un de vous a parlé de respect tout à l'heure, que j'éprouve vis-à-vis de l'animal, peut aller jusqu'à m'interdire de faire de l'animal un usage ? C'est-à-dire est-ce que dans l'animal, il y a un autre, il y a un sujet qui, comme moi, partage des perceptions, des élaborations, des pouvoirs cognitifs. Et je pense que tous les trois, nous avons essayé à notre manière de répondre à cette question. Merci Véronique. Alors, je prends une dernière question de Wissal. Est-ce que l'animal a une culture ? Je pense que Véronique a répondu. Oui, je pense. La réponse est, je crois, non.
D'accord, donc ça sera la dernière question. Écoutez, je vous remercie tous pour cette très belle table ronde. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris énormément de choses. On a eu trois invités exceptionnels. Donc je remercie Véronique donc, qui a pris de son temps donc, pour pouvoir participer à cette table ronde et être parmi nous ce soir. Donc merci Véronique pour ce très bel exposé. Merci Gérard, merci Rachel. Et je remercie également donc, les représentants des classes préparatoires donc, de Roosevelt et de Clémenceau qui étaient parmi nous ce soir. Alors, nos prochains rendez-vous, donc, nous avons une session d'information sur découvrir le programme Grande École de Neoma. Donc samedi 5 décembre à 17h, où là vous pourrez avoir également découvrir notre programme avec la directrice donc Imen Mejri. Nous avons également le 16 janvier une journée d'information Neoma, donc 100% online, de 10h à 18h. Donc n'hésitez pas à vous connecter, à vous inscrire à tous ces événements qui vous permettront de découvrir l'école également et de découvrir de l'intérieur en fait notre école et de pouvoir dialoguer avec nous, avec les directeurs de programme et avec des professeurs, des étudiants, etc. Donc je vous remercie à tous pour votre présence ce soir. Ça a été vraiment un grand plaisir de pouvoir animer cette conférence sur l'animation. Et j'espère, je vous souhaite plein de bonnes choses pour vos concours. Ça va venir très vite, donc et on sera très heureux de vous accueillir pour les oraux. Bonne soirée à tous et à bientôt, à Neoma, j'espère. Bloqué.